Let's rock, baby. Mission 22, bataille légendaire. Ok, pas de description. Et attends, y'a rien que je puisse... Ah, dommage. Bon, attends, je vais acheter des objets. Hein. Parce que là, en fait, ça me sert plus à rien. Ça. Encore. Au cas où. Et j'ai plus rien. Ha! J'en suis sûr que tu t'attendais pas à ça quand je disais, quand on parlait d'enfer et tout ça. Tu pensais avoir encore un truc comme derrière la porte, hein? Eh ben non. J'avoue, moi aussi ça m'a fait un choc la première fois. On dirait qu'on va assister à ton mariage. C'est là que la statue est partie. En tout cas, c'est bien propre. Again, I must face a spider. Strange fate, isn't it? Strange and ironic that it will end the same way. Are there any has favored you this time? Look there. Jésus? Trish! Ah non, Trish. Ah oui, c'est ça, je me disais. Elle est même pas attachée. Regarde, elle est même pas attachée. Regarde, même le jeu te le montre, elle est pas attachée. Si seulement il l'avait attachée, il aurait gagné. Trish! No! Useless scum! Failure is one thing, but taking an odd behavior like that... What is the matter? It is time to end your pitiful life. T'as tué mon plan cul, mec. Ça, je te le pardonnerai pas. How much longer are you going to keep zapping? Come out and show yourself, Mundus! Oula! C'est sérieux là, c'est une cinématique en 3D. Enfin, en image de synthèse plutôt. Mais y'en a rien à foutre d'Anté. Par contre, Trish, elle a disparu. Oh bah alors? T'as encore une blessure de ton combat contre Papounet? C'est quoi le truc que t'as dans la poitrine? T'inquiète, je vais t'en faire un, mais ce sera un deuxième anus plutôt. Those eyes. Deep in them, I see the same light as in Sparta's eyes. Why my mother? That useless being. Mother, I can create it as many as you want. Le pire, c'est que j'en connais beaucoup qui auraient accepté. Trish. Silence! Là, c'est comme les trucs sous-marins. Vaut mieux bouger avec les flèches. Parce qu'il n'y a rien de pire que quand tu montes le joystick, tu descends. J'en suis sûr, il y en a beaucoup qui sont morts à cause de ça, en fait. Parce que ici, ça passe en mode... Putain, j'ai oublié le mode de jeu. Quand tu dois esquiver des boules et tirer. Bon, tu verras, tu verras. Un rail shooter? Non, c'est pas un rail shooter, c'est... Oh, j'ai oublié. Si, c'est peut-être un rail shooter. Non, c'est pas ça. Voilà, ça.
Dans la difficulté d'Anthemus Die, ce niveau est horrible. Je le cache pas, hein. Si toi tu te dis... Wouah ! Si tu te dis, je veux faire ce niveau en... le jeu en Anthemus Die, attends-toi à souffrir ici. Vraiment. Aïe. Hop, on optimise. On optimise les dégâts avant qu'il remette son bouclier. Allez, bouffe. Eh merde. Ah non, c'est pas son bouclier, ça va. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas joué en mode normal, ça. Attends, on se réaligne. Tu sais quoi? Merde! Non, c'est Devil Trigger. Devil Trigger, c'est ça. Ouais, je sais, ça fait aucun sens. Te pose pas de questions, ça fait dégâts. Ouh, ça fait mal. Aïe! Ça aussi, ça fait mal. Allez. Wow. J'en ai eu un. J'en ai eu deux. J'en ai trois. Allez, un dernier. Aïe. Tant pis, je bourre. Ça va. Sachant que ça, c'est les mêmes trucs qu'on a vu dans la cinématique, hein, quand ils en ont pris trois dans le cul. Aïe. Allez, dégage. J'ai pas mal. Je promets, j'ai pas mal. Oh, ça fait mal. Oh, ça fait mal par contre. Même la lave, ça aurait fait moins mal. Là, je me suis pris un facepalm dans la gueule. Et c'est de ma gueule. Ok, il est temps de lui péter sa gueule, à suce de chien. T'as tué ma maman. Ça, je l'avais pas. Allez, bouffe. Là, je peux passer en mode Devil Trigger. Ça, il faut que je le détruise, ça. Ça, c'est de la merde. Raté. Attends, ça arrive vers moi, ça. Vite. Aïe! Et merde. Attention. Ok, j'ai réussi à en esquiver quelques-uns. Ça fait mal. Allez! Ah! Attends. Eh, au moins que ça serve à quelque chose. Aïe. Ah! Allez, coupe.
fuck, c'est un dragon. Saute. Voilà, ça me permet de rendre... Ok. On bourre, on va le tuer. Allez. Et voilà. Et sachant qu'en Dantemus Die, t'as la même vie, bien sûr, comme on l'a vu, à la phase 1 qu'à la phase 2. C'est-à-dire que si t'as tes objets, tu dois en utiliser aucune pendant la phase de tir en l'air. Je te jure, c'est une horreur. Attention, scène mythique. Préparez-vous. Vous êtes pas prêts. Préparez-vous à la phrase la plus cheese de l'univers du jeu vidéo. Si vous grincez pas des dents, je vous donne un billet de 20, voire 200. Si tu détournes pas les yeux, franchement, chapeau. Attention. Tu le sens monter là. Should have been the one to fill your dark soul with light. Ouh. Roblox sound. Ouh. Oh merde. Dis-toi qu'il y en a un qui était en train d'écrire ce dialogue, il a fait oh ouais, ça c'est bon ça. Oh, je suis trop doué. Oh là là. T'es sûr que ce genre de scène ça réapparaît pas dans un remake hein? Ou alors en clin d'œil une phrase dégueulasse en plein milieu du jeu mais pas à la fin. This was my mother's. Now I'm giving it to you. My father's also here now. Rest in peace. On a gagné! Wouh! Par contre, pourquoi j'ai mission terminée en électricité? Parce que j'ai pas utilisé à la store, j'avais Sparda à la fin. C'est bizarre ça. Puisque justement, t'as l'effet de l'arme que tu utilises. C'est bizarre. Mission 23. Guide de la mer. Quitter l'île de Malé avant qu'elle ne disparaisse. Ça je peux faire ça. Ça va, ça c'est dans mes cordes. Attends, on va la stinger. Triche. Ah bah ok. Dommage, j'aurais bien voulu stinger ses fesses si tu vois ce que je veux dire. Ok, j'arrête. C'était déplacé, je suis désolé. Perk. On se casse. Non, on se casse pas maintenant. Hop! On tue ces démons. Même s'ils vont crever avec la destruction de l'île, mais quand même. Ah! Je les ai eus. Il y en avait que deux, hein, rassure-moi. Ouais. Hop, c'est parti. Comme ça, je suis sûr au moins qu'il meurt. Allez. Oh. Là, je suis sûr qu'ils meurent de l'explosion. Puisque je les ai tués juste avant. Ouais, allez, 3 minutes. On attend.
Mission 23, ah, toujours. Quitter le... Ouais, d'accord. Quitter l'Himalaya, c'est parti. Ah, dégage. Dégage à ma vue. Je prends ça. Au revoir. Les marionnettes possédées, non merci. Ok. Ok. Ça va, ça se passe. Mon argent. Oui, je m'en fous de la porte. Je veux mon argent. Voilà. On se casse. Voilà. Ça, c'était pas prévu, ça. Oh non, pas les égouts. Oh non. Ah, c'est la pièce où on avait trouvé une clairouillée. Je suis pas épileptique, mais je pourrais le devenir à cause de ça. Oh, il est vénère. The gate has been opened. Dante, you are not getting away. This is where you will die. I'm not going anywhere. Besides, there's no place to go. Look around. This will be your burial ground as well. Okay. Allez, on bourre. Oulala, il balançait la terre. Oh, les mains dégueulasses. Mais t'as un problème avec les mains, mec. Chirurgie esthétique, ce serait bien aussi. Petit conseil. Allez, on charge. Et on tire. On charge. Et on tire. Aïe. Allez, viens. T'as que ça dans la tête. Allez. Genre, femme de vulnérabilité. C'est dégueulasse. Fais gaffe, c'est ton œil gauche qui bigle un peu. Non. You'll be okay. You can do it. What? Mother. Oh, elle est pas morte. Dante, use my power. Trish. Okay. Là, ça va faire mal. Transmettez votre pouvoir et celui de Trish dans votre arme, Ebony et Ivory. Utilisez l'état diabolique pour tirer sur Mundus. T'avais pas besoin de me le dire. Salut! Attention! Parti! Looks like we have a winner. Jackpot. Yes. Oh! Ça, c'est ce que j'appelle une faciale. Dante, I will return, and I will rule this world. Goodbye. And when you do come back, give my regards to my son, will ya? Comme un spaghetti. Ah, ça se fait pas de tuer la seule meuf du jeu quand même. Encore heureux qu'ils l'ont pas fait. Dante. I. Trish. Devils never cry. These tears. Oh, la tête de Trizo qu'elle me fait. Regarde ça.
Oh merde. On dirait que Dante il a mis un truc dans son verre pour la soirée quoi. Oh merde. No Trish, it's never too late. Hein, l'avion qui t'a tué, mais... Tu vas me dire que le moteur a été réparé depuis tout ce temps-là ? Ah bah ouais. Let's rock. Pilote hors pair, hein. Je suis un pilote hors pair. Aïe. 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 Beaucoup ont reconnu le fait que ce soit un peu pareil que dans RE4. Normal, à la base, ce jeu devait être Resident Evil 4. Ils ont regardé les mêmes idées. Cette explosion nucléaire. Par contre, quand tu finis le genre dans Temus Die, il dit autre chose là. Et ça, je me rappelle que la version PS2, les cheveux de Trish sont deux fois plus longs. Il y a eu un problème avec ça, ils l'ont coupé justement. So clear. So blue. The sky is fair. It'll always be above everyone's head, no different. Like the sky. Je te jure, Trish, si elle re-regarde le DMC1 et que te voit parler comme ça, elle meurt de honte en fait. Let's not forget though, the underworld's evil is still alive. They will someday return. There's no need to worry, right? Cause the world has the legendary Dark Knight Dante and his sidekick. Ouais, tu ressembles un peu à ma mère quand même. Genre, t'es son sosie. Donc, plan cul avec la sosie de ma mère, c'est un peu particulier quand même comme délire. Hein. Franchement, Dante. Ah, ils ont baptisé ça Devil Never Cry. Pourquoi pas? Ok, great. Where's the place? We'll be right there. This one has the password. Sounds heavy. Ok, let's get it over with in 10 minutes. Can't let a single one of those suckers live. 5 minutes. More than enough. Oh là là. Par contre, c'est temporaire le nom de l'agence. Ça va très vite repasser à Devil May Cry. Dante, il a juste fait une petite concession pour Trish pour genre 2 semaines. Bon, en vrai, ce jeu, c'est toujours un plaisir d'y retourner. Franchement, toujours un plaisir. Après, si tu y joues maintenant, tu peux trouver ça rigide. Mais quand une fois que tu t'y es habitué, franchement, il y a de quoi s'amuser. Quand tu comprends aussi les faiblesses des monstres, ça aussi. Ça permet vraiment de vraiment s'amuser et de les rect un par un. L'idée, c'est toujours de commencer en normal, parce que t'as besoin d'acheter tes capacités, tout ça, tu vois, le truc habituel, pour te familiariser avec les mécaniques du jeu. Après, tu passes en mode difficile sur la même partie, là, pour montrer vraiment que tu comprends les mécaniques, et dans tes Must Die, c'est vraiment la difficulté où tu dois savoir quand passer entre Alastor et Ifrit. Voilà, c'est là tout le succès pour réussir à finir le jeu. Mais voilà, 2001, il est sorti en 2001 ce jeu. C'est ça qui a lancé toute cette mode des jeux d'action avec des combos de tarés comme Bayonetta. Bayonetta, c'est clairement inspiré de Devil May Cry. C'est clairement inspiré. Plein d'autres univers ont piqué plein de trucs à la série Devil May Cry, juste au niveau de l'inspiration. C'est une pierre angulaire, c'est celle qui a commencé beaucoup de choses. Comme Resident Evil 4 a commencé beaucoup de choses, notamment
T'es shooter à la troisième personne, avec la caméra derrière l'épaule. C'est des pionniers. Pionnières. Oh putain, c'est quoi le terme en français? C'est des... Tu sais, c'est les premiers à faire le truc. Bon, t'as compris. Bon, ils ont arrêté de danser derrière? Ah ouais, là c'est le thème de sa mère. Attends, je bug sur le mot, c'est quoi? C'était quoi le mot? Si, un pionnier. Si, c'est ça, c'est pionnier, c'est vraiment le premier. Ah, pour ceux qui veulent aussi, il y a un remix de cette musique. C'est, je sais pas, taper thème de Eva remix. Voilà. D'ailleurs, le bracelet qu'on a trouvé dans la dernière mission, c'est elle. Comme quoi, plus t'en apprends. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de retourner sur ce jeu. Je voulais vraiment le montrer. Ce sera pas le seul Devil May Cry que je vais faire, ça c'est sûr. Mais je voulais commencer par le début. Faut toujours commencer par un commencement. J'ai commencé par le 1. Ça m'a fait vraiment plaisir d'y retourner. Surtout que ça faisait un bon bout de temps que j'y avais pas touché. Et voilà. Toujours aussi toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Et là, je continue à parler pour continuer à remplir le générique. Mais j'espère que ça a plu, j'espère qu'il y en a que ça a intéressé comme univers. Et j'espère qu'il y en a qui aiment tout simplement le style de jeu. Et qui se disent, est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? C'est aussi ça le truc, c'est aussi que ça intéresse certaines personnes en fait. Pas que des jeux de combat, théoriquement c'est un jeu de combat. Eh, hey, on tape des méchants, c'est forcément un jeu de combat. Attends, il y a les résultats aussi. C'est bon? J'ai assez parlé, j'ai dit trop de merde là. Allez. Ok. Ah ouais! Autre chose! Attends. Ah! Quand tu finis Dante Must Die, t'as une autre version de cette musique. Et seuls quelques élus ont pu l'entendre. C'est très différent de l'écouter sur YouTube. Parce que quand tu écoutes en vrai dans le jeu, tu sens que c'est la récompense ultime, c'est cette musique. Mais pas celle-là, c'est boîte à musique mais remaniée. Voilà. Alors, j'ai accumulé 187 000 sphères rouges, hein, c'est incroyable. Et il y avait 23 missions. D'accord. J'ai fini toutes les missions secrètes et je me suis rappelé de toutes, hein, c'est incroyable. Ce jeu, j'ai tellement poncé quand j'étais gosse. 4h49. Tranquille, en fait. Stylish. Ah, voilà. Franchement, c'est basique. Hein. Total réessayé. Ouais, je suis mort contre Phantom et je suis mort contre Virgil, une fois. Bon, c'est bon. C'est bon. Sélection de la difficulté. Ouais. Non, c'est bon. Allez, sur ce...